se met en place depuis maintenant environ 6 mois, qui est très clair comme synergie pour la commission, mais qui pour le citoyen ordinaire reste encore quelque chose d'assez flou. Donc voilà. Pour nous parler de tous ces sujets, je vais tout de suite donner la parole à M. Mingarelli, qui a personnellement négocié, je crois, un plan d'action avec les députés. Notre objectif essentiel dans cette deuxième partie, la partie économique et commerciale, a été de créer les bases pour un développement des échanges, d'une part, et d'autre part, une croissance des investissements européens en Arménie et réciproquement des investissements arméniens en Europe. Pour cela, nous avons développé avec les autorités de notre pays un dialogue visant à identifier et progressivement à éliminer les multiples obstacles qui existent au développement des échanges commerciaux et au développement des investissements. Pour partie, comme conséquence de ce dialogue sur les affaires commerciales et économiques, l'Union est aujourd'hui le principal.